Bonjour, aujourd'hui je souhaite partager avec vous une de mes recettes préférées, la vichyssoise, à servir chaude ou froide. Les ingrédients pour 4 portions. 4 poireaux moyens, 2 moyennes pommes de terre, 100 g de petits pois, 1 brin de menthe, 1 demi-litre de bouillon de poulet, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 125 g de yaourt nature, une cuillère à soupe de crème fraîche liquide, sel, poivre selon les goûts et la ciboulette si vous la servez froide. On commence comme d'habitude par éplucher les pommes de terre. Nettoyer les poireaux. Ensuite, on coupe les poireaux en rondelles et les pommes de terre en dés. Je croyais toujours que c'était une recette typiquement française, mais il semble que c'est une invention américaine d'un grand hôtel, un grand palace à New York. On verse tout dans une passoire. On rince les légumes, on préchauffe l'huile à feu doux dans une casserole et on verse les poireaux et les pommes de terre dans de l'huile. On les fait revenir toujours à feu doux et en les mélangeant constamment. Ensuite, quand on voit que les légumes réduisent, on ajoute les petits pois et la menthe et on finit par les bouillons de poulet. On laisse mijoter à feu moyen pendant 15 minutes. En fin de cuisson, on ajoute du sel et du poivre du moulin. On mélange, on éteint. Une fois en dehors du feu, on rajoute du yaourt et de la crème. On met tout dans le mixeur, on mixe et on sert. Ici, on voit la version chaude servie avec les croûtons. Bon, j'espère que cette recette vous plaise, comme à moi et à ma famille. Si c'est le cas, je vous invite à laisser les pouces en haut. Je vous invite également à regarder d'autres vidéos et je vous souhaite bon appétit. Merci.